et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On commence cette semaine en continuant le travail sur la mezzanine. En posant la laine de chanvre entre les poutres, on se rend compte d'une petite erreur. Les panneaux d'isolant sont un peu trop épais et dépassent largement la hauteur des poutres. Pour éviter de trop les compresser en plaquant le plancher OSB par-dessus, on rajoute une épaisseur de bois avec des planches de 2,5 cm. Cela nous permet aussi de positionner un renfort perpendiculaire aux poutres à l'extrémité de la mezzanine, qui offrira un support supplémentaire au panneau d'OSB. Avant de mettre en place le plancher en OSB, on installe une bande acoustique sur la structure de la mezzanine. Cela évitera l'égrincement du bois et diminuera la transmission du son vers les chambres en dessous. La mise en place de l'OSB n'est pas aussi simple qu'on l'avait imaginé. Les murs ne sont pas droits et la structure de la mezzanine non plus. Résultat, pas mal de découpes d'angles, de petits écarts ici et là et des panneaux qui ne tombent pas sur les supports prévus. Mais bon, c'est pas très grave au vu de la fonction secondaire qu'aura cet espace et des charges quasi nulles qu'il supportera.
et voilà le résultat. La mezzanine terminée, on va pouvoir se diriger vers la partie cuisine et salle de bain afin de préparer l'arrivée des fenêtres et porte-fenêtres pour la fin du mois. Il faut qu'on enduise les murs en blocs de chanvre avant la venue du menuisier. Mais avant ça, il y a un peu de préparation à faire. Les boîtiers électriques de la cuisine ne sont pas encore posés et il faut aussi murer les arrivées d'eau et les évacuations. Mais pour commencer, rangement.
on utilise l'outil multifonction pour faire les rainures facilement dans les blocs de chanvre. Puis on scelle les boîtiers avec le mélange chaud-chanvre qu'on appliquera sur les murs. D'ailleurs, le mélange que j'utilise là est un reste d'enduit du salon, préparé il y a presque un mois.
Et voilà, on est prêt pour enduire. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.